Yo tout le monde, moi c'est Donald Trump. Trompette. Trump. Trompette. Ok bon, c'est une blague pourrie, et alors? Alors j'ai commencé en construisant des gros appartements qui ont connu un très très grand succès pour m'acheter un yacht à 30 millions de dollars. Puis après que mes trucs, appartements, etc. étaient en péril, mes affaires et tout ça, j'ai dû me reconvertir en organisateur de tout et n'importe quoi. Organisateur de Miss Univers, de World Wrestling Entertainment, enfin la WWE, Raw, le truc de catch. Puis j'étais devenu un acteur dans des films sur tout et n'importe quoi. Maman, j'ai encore raté l'avion, Ghost Can't Do It, etc. Puis comme j'étais fan de golf, eh bien j'ai investi dans tout et n'importe quoi. Le Doral Golf Resort, je vois plus le truc parce que là je suis en train de lire, mais bon voilà, c'est pas très grave. And Spa, voilà, etc. Et grâce à tous ces artifices, j'ai pu gagner 4,5 milliards. De dollars. Bordel de Dieu! Et c'est tout ce que j'ai fait de ma vie en fait. Non, non, effectivement, mon activité principale et préférée, c'est l'investissement dans tout et n'importe quoi. Mais il n'y a pas que ça. En 1987, j'ai pensé à me présenter à l'élection présidentielle en tant que républicain. Mais je ne l'ai pas fait. Puis en 99, je sors des républicains. Même que quelques années plus tard, j'ai financé la campagne de Hillary Clinton. Mais après que Hillary Clinton a échoué à devenir présidente, en 2009, je me suis retourné vers les républicains. Alors, pour le truc de 2016, quoi, eh bien, j'ai mal commencé en étant sexiste et en faisant un peu scandale sur l'immigration, quoi. Ça veut dire que je voulais pas que des prisonniers mexicains viennent aux US. Mais à partir de juillet-août 2015, ma popularité a monté. Beaucoup, beaucoup. Jusqu'en juillet 2016, où là, j'ai eu plusieurs scandales. Puis ensuite, il y a quelques semaines, tout le monde s'est jeté contre moi. Non, pas littéralement, il n'y a pas eu de blessés. Mais un journal a fait ressortir de l'iceberg une vidéo, un truc odieux, enfin bon bref. On n'est pas là pour débattre sur le MP3 ou la AC, bon voilà. Non, dans cet enregistrement, j'ai dit, quand vous êtes une star, les femmes vous laissent faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les attraper par la chatte, faire ce que vous voulez. Et là, le désastre commence. Puis ensuite, quelques jours plus tard, c'est Michael Moore, un cinéaste, qui sort un film pour Hillary Clinton, et non moi. Puis ensuite, quelques jours plus tard, Eminem tweet contre moi. Putain, Twitter, c'est trop puissant. Enfin bon bref, en gros, pour 2016, j'ai commencé tout petit. Je suis monté très haut, puis je suis retombé en bas du panier.